accroché à mon père, la tête dans son dos. Daniel Auteuil, tout d'abord, bienvenue à Québec. Merci. Vous entamez votre première tournée québécoise et ça se passe ici au Grand Théâtre. On vous découvre avec un nouveau chapeau ici au Québec, le chapeau de chanteur au lieu de celui de l'acteur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu intimidant quand on arrive comme ça, puis de conquérir peut-être un public, un nouveau public? Je ne viens pas du tout en conquistador, ni en conquérant. Non, non, je viens en ami. Ouais. non, je viens en ami. Si j'avais été simplement interprète, je pense que je n'aurais pas fait le pas de monter sur scène. C'est le fait que j'écrive mes chansons et mes musiques. Mon ego m'a poussé à venir sur une scène il y a maintenant 3 ans. J'ai commencé il y a 3 ans. Je suis venu à la poésie par la chanson. Chez nous, il y avait des types comme Léo Ferré, comme Brassens, comme Brel, comme Béart. Et chez vous, il y avait Félix Leclerc, enfin plein. Et ces émotions que j'ai ressenties en écoutant ces textes et ces musiques, j'ai eu envie de faire pareil. Dans votre univers, à vous, qu'est-ce que ça représente, le Québec ? Le Québec représente pour moi un pays lointain, un endroit de grandes rivières, de grands espaces, encore une fois véhiculé par ces textes, ces chansons de « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ».« Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre ». Vos chanteurs nous ont apporté une partie de vous. Et puis à la télévision, tout ça, on vous a vu tout le temps. « Et pouvoir le nommer, et pouvoir le chanter ». Quand on est acteur, on joue au cinéma, on interprète le rôle de quelqu'un. Quand on chante ses propres chansons qui sont tirées de notre propre histoire, à quel point ça peut devenir peut-être vulnérable de le faire devant un public ? Ah oui, c'était très dur au début, parce que tout d'un coup, il n'y a rien à jouer. Il n'y a plus rien à jouer. Si tu te mets à suracter ce que tu es en train de dire, ça devient inaudible. Il faut rien faire, mais rien faire, ça veut... Ça n'existe pas non plus. Ouais, il faut être soi-même le plus possible. Il faut... Et il y a la musique, hein, aussi. Il y a la musique. J'ai d'excellents musiciens. Les mélodies que j'ai composées ne sont pas trop mauvaises. Et puis, les arrangements de Gaëtan Roussel sont très forts. Et donc, la musique est un lien qui nous porte, pour donner le sentiment qu'on est bien là avec vous. Je suis criblé d'amour et ruisselant d'étoiles, et j'ouvre sur la vie. Ça va faire 3 ans. 3 ans que je suis sur scène. J'ai fait plus de 120 concerts. Et vous continuez d'autres projets en parallèle? Ah oui. C'est pas oui, juste la musique? Je suis hyper actif. Ah oui. Mais quand je fais du cinéma que comme acteur, je peux écrire des chansons, ça me prend pas la tête dans la journée. Quand je fais de la mise en scène, je peux pas. Oh, je voudrais partir loin d'ici, m'en aller. Oh, je voudrais m'enfuir, prendre la contre-allée. Mon fils foutre le camp, mon fils mettre les bouts. J'ai un film qui va sortir, une comédie qui va sortir au mois de juin. Et puis surtout, c'est un film que j'ai réalisé, dans lequel je joue, qui est sélectionné au Festival de Cannes. Donc je suis très heureux. Daniel Auteuil, je vous souhaite une magnifique tournée québécoise. Profitez de ces moments-là avec le public. Très bien, je vous attends. Je voudrais partir.